Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de notre série We Were Here sur la chaîne 119 minutes de mon côté et avec le signe noir sur les jeux du signe. Salut! Salut tout le monde! Et on en était resté donc sur cette... On peut voir comme pour le coup on tourne dans la foulée hein, puisqu'on était resté sur The Marionette Finish Zosen. Mais on peut retry from checkpoint, ce que nous allons tenter immédiatement. Et j'espère, allez, il me semble, mais j'espère qu'il y avait un checkpoint après ta sale horrible avec les pics là, parce que sinon... j'ai peur qu'on recommence depuis la salle avec les pics. Oui, je suis dans la salle avec les pics. Pourquoi? J'ai vu que la porte qui allait vers le truc était fermée, je me suis dit non. Alors cela dit, confirme-moi bien que la tête de renard avec la maison à la fin, c'était bien celui un petit peu douteux qu'on vient de réussir. La tête de renard posée sur un socle horizontal. Tout à fait, avec la maison à la fin et la zigounette avec les testicules en deuxième. Et le chandelier en quatrième. C'est ça, exactement. Donc on a toujours celui-là, ben quand on va se le refaire. Je crois m'en souvenir presque, mais je préfère quand même que tu me le redises, j'ai pas envie de faire une connerie. Alors, avant que le premier commence à l'est, il faut avancer d'une étape, enfin d'un pied vers l'ouest. Ça c'est fait, et j'ai avancé une case au nord. C'est ça, donc on avait Zen start by taking two steps north. Ensuite c'était, alors ne bouge pas, c'était avancer, alors tu dois avancer d'une étape vers le nord, mais pas avant d'avoir avancé d'une étape vers l'ouest. Ok, et après, c'est bon, je m'en souviens, on fonce contre le mur et je vais tout droit. Ça y est, c'est bon. Merci. Tiens, c'est marrant, ça m'a repris un nouveau succès du coup. Oui, moi aussi d'ailleurs. Et ça a fait bugger le livre chez moi, il vole maintenant. J'ai été jeté du livre, j'ai pas eu à le quitter, et maintenant il vole en l'air. très bien. Alors, je vais attendre que tu sois dans le théâtre pour actionner les trucs, pour le coup, pour voir si ça fait quelque chose pour toi. Alors, j'étais en train de regarder, je peux plus prendre ce livre-là, mais par contre, je peux prendre encore les autres, donc il y aura peut-être d'autres trucs à faire avec. Je vais dans le théâtre. Pas de soucis, quand tu seras positionné, je regarderai. Ok, donc ça se déclenche tout seul. Et la porte s'est fermée derrière moi, donc je suis coincé. Ok, alors... J'ai des leviers, est-ce que je tente d'actionner mes leviers? Alors je vais activer le phonographe si tu veux, puis on va essayer de trouver ce que fait cette foutue marionnette. Des scènes en carton chez moi en fait. Mais du coup, je sais pas trop ce que je dois faire. Alors attends, parce que je crois que du coup t'as parlé pendant que je parlais, donc vas-y redis-moi. En fait, je peux déplacer les cartons dans la salle de droite, j'ai deux cartons, dans la salle de gauche, j'en ai trois. Ok, alors je vais activer le phonographe et on va essayer de trouver s'il y a quelque chose qui ressemble à la marionnette. There once was a castle filled with life. T'as la petite musique aussi? Je l'ai eu, ouais. Alors, le truc que j'ai, bah, franchement, à part te dire, c'est un espèce de fantôme avec des grandes pattes plates qui penche la tête vers la gauche, qui lève un bras en l'air. Ouais, ce qui ne va pas m'aider. Alors, parce que moi, mes symboles, c'est une couronne, un château, et... Ça c'est pour la salle de droite, et dans la salle de gauche, c'est trois bonhommes qui courent, une épée dans une couronne, et une couronne de reine derrière. Alors j'espère que c'est pas ce qu'il nous dit en anglais qui est censé servir d'indice, parce que j'ai rien capté. Je vais essayer de voir si je peux réactiver le phonographe pour le faire reparler. There once was a castle filled with life. There once was a castle filled with life. Tu m'entends parler aussi? Non.
Il s'est passé un truc. La marionnette a bougé, maintenant elle est toute fracassée sur elle-même. Super. Bon, c'est peut-être un bug. Parce que ça. J'ai encore le focus noir quand j'essaie d'avancer un peu sur la scène vers elle. Donc je pense que ça doit être ce qu'il me dit qui est important, mais alors j'ai un peu de mal à comprendre. Il y a pas les sous-titres en plus. Je vais regarder s'il n'y a pas ça dans les options. Alors audio option. Pas de sous-titres. Bah visiblement non. Keybinding non. Graphique. Okay. La partie audio, quand t'es pas anglais, c'est pas simple. Field of view, controller sensibility, ok. Alors du coup, je vais essayer de comprendre, bouge pas. There once was a castle filled with light. Tu m'as dit que t'as une couronne, un château. Alors j'ai une couronne, un château. Et de l'autre côté, j'ai trois bonhommes qui courent, une épée dans la même couronne que tout à l'heure, une couronne de roi, un peu comme ma couronne de mon pseudo sur Discord. Et derrière, j'ai une autre couronne, mais version reine, tu sais, vraiment très grande, très haute, avec une croix sur le dessus. Ok, je crois que j'ai compris en fait c'est quoi le coup de la marionnette. En fait, elle avance vers moi, cette petite saloperie, et elle est hyper flippante. Elle avance vers moi en mode « Oh, je vole toute noire avec des yeux qui brillent !» Et du coup, je pense qu'il faudrait essayer d'activer le château. Faudrait que j'active le château, très bien, je veux bien. C'est horrible, dès que je me retourne en fait, ça fait un petit « Foufou !» et pouf, elle avance. Ah la saloperie. Alors, je l'ai fait, mais en fait ça le dépla... Ah merde. J'ai le roi qui est apparu chez moi. J'ai un truc qui a disparu, attends. Ouais, moi j'ai le roi qui est apparu chez moi. Ah, et là j'ai le château qui se balade. Ah putain, elle avance encore, c'est horrible. Est-ce que il y a plusieurs grades ? C'est-à-dire que quand je la déplace, je peux la déplacer plus loin ou non, elle vient, elle se positionne et c'est tout. Alors là, elle a avancé d'un petit peu vers la droite, le château. Et là, vers la gauche. Ok, bon. Et il est sur les rails du milieu. Bah j'en ai 5 comme ça, hein, que je peux t'envoyer, alors moi je veux bien, mais je sais pas comment. Bon, et ce que me dit le mec dans le phonographe, c'est toujours la même phrase, donc du coup ça doit probablement pas être lié. C'est toi qui as fait venir le roi, ou il est venu tout seul? Non, non, c'est moi qui l'ai fait venir, je me suis trompé de manette au début. Ah, il est parti. Ouais, je l'ai ramené pour être certain que je te gêne pas avec. Sinon, je peux tous les envoyer, hein, si tu veux. Hein. Bah, j'essaie de comprendre ce qu'il dit, il a l'air de parler d'un castle, d'un fields, mais Ah putain, elle est au pied de la scène. À chaque fois qu'elle se déplace, je l'entends, ça fait un petit gling gling gling. Ouais, bah j'ai le même gling gling gling, et puis elle me regarde avec ses yeux qui brillent, là. Envoie-moi l'épée, que je me défende. Je veux bien t'envoyer l'épée, mais je suis pas convaincu. Surtout que je sais pas lequel c'est, donc on va tenter celui-là. Je vais tout envoyer. Ah oui, c'est le roi qui se bat avec l'épée, d'accord. Après, c'est vrai qu'une fois que la scène est faite... Ah, je pense que j'étais bête, en fait. Si tu parlais juste d'un castle, j'ai un bouton pour tirer, mettre la scène, donc ça se trouve, fallait juste envoyer le château.
et mettre et lancer et que je tourne la main que j'appuie sur le bouton en fait. Ah t'as un bouton pour activer les trucs. Scène 1, ça s'appelle scène 1 en plus, donc ça se trouve si on réussit la scène 1 il te donne d'autres infos pour la scène 2 et tout. Probablement ouais, du coup ça doit être ça. Alors, normalement j'ai dû t'enlever les 3 que je t'avais envoyé, non? Bah non. Ah putain, elle est montée sur la scène! Elle me menace! Ouais, le roi était coincé dans la tronche dans le mur du château. Tu me confirmes qu'il n'y a plus que le château là? Je te confirme qu'il n'y a plus que le château. Et j'ai l'impression que ce qu'il dit c'est il était une fois dans un château, un truc du style. Ok, alors, par contre ça ne marche pas quand j'appuie sur la manette, mais peut-être... Ah, attends, peut-être que je sais pas. Le château est pas au centre de la scène là, il faudrait l'envoyer un petit coup à droite encore. C'est bien sûr. Là c'est bon, il est au centre. Alors là, il est parti. Tu m'entends ? Ouais, je t'ai entendu. Ok, alors dis-moi comment je dois le déplacer ? Alors, encore un coup. Ah, non, c'est mort. Ok, non mais oh, je pense qu'on va y arriver ce coup-ci. Ouais, faut choper le truc. Je clique et on repart. C'est ça. Allez. Waouh, ça fait du stress. Ah non, les grilles. Ah c'est le même par contre, ok. Alors, je reprends le livre. Non, ça y est, c'est bon. Je m'en souviens. Ça y est, ça va. Et j'imagine que le succès qu'on a eu tout à l'heure, Vlad l'empaleur, ça doit être quand tu te fais empaler par la marionnette. Non, en fait, c'est quand on réussit du premier coup les piques. Ah! Ce qui était le cas, parce que je connaissais le chemin. Alors, je sais quelle manivelle c'est, du coup, faut que je me dise quand c'est bien au milieu. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire, il est déjà là, mais attends, j'ai pas lancé la scène encore, j'active. Alors, il était une fois un château rempli de quelque chose. Donc, renvoie-moi le château. Attends, j'arrête pas de me tromper dans ces manivelles, c'est l'enfer. Il arrive, non? Yep, il arrive encore une case. Ok, là il est au centre. C'est bon là? Alors, il est au centre et il est éclairé, donc normalement c'est bon. Ok, j'ai voulu faire la scène 1, visiblement c'est pas ça. Mais tu disais pas qu'il était plein de quelque chose, il y a pas plein de gens ou quelque chose comme ça? Bah, j'ai l'impression qu'il dit éclairé, mais c'est peut-être rempli de quelque chose. Attends, je réécoute. Ok, ça doit être plein de vie, donc fill with life. Envoie-moi les peuples là. Ok, attends. Non, on touche pas le château. Ramène-moi le château! Avec les manettes. Le château est bien. Ah ouais, mais attends, putain, y'a un problème. Ok, j'avais un bug, bouge pas. Pas de soucis, y'a juste une marionnette flippante qui me poursuit. Ah, ça y est, je les vois sortir. Je sais jamais si je tombe dans le bon sens ou pas. Là, ils ont commencé à sortir et ils sont repartis, donc...
Vas-y, encore un petit peu. Non, c'est pas le bon là. Ouais, là c'est bon. Encore un coup. Là, ils sont dans le château là. Alors, je vais tirer la scène 1 pour voir. C'est bon, c'était bien ça. C'est vraiment tout bête comme concept, hein. Faut juste comprendre quoi. Alors attends, du coup la voix a changé et j'ai pas entendu jusqu'au bout vu que t'as parlé, mais je crois qu'il parlait du roi et de sa femme, je réécoute. Vas-y. And there lived a king with his wife. Et là vivait un roi et sa femme, donc ouais, envoie-moi le roi et sa femme. Le temps que je trouve, hein. Ok, le roi arrive. Il est à sa place, je pense. Il est pas au centre, mais je sais pas où est la reine, donc envoie-la moi, puis je saurais te dire. Ouais, c'est ça, parce que je peux pas aller plus loin de toute façon. Ok, la reine arrive. La marionnette a fait à peu près la moitié du chemin. Ok, j'ai la reine. Ils sont tous les deux au bout, je pense que je peux tirer la manette. Ouais, ils sont tous les deux côte à côte, enfin le plus côte à côte qu'ils peuvent être, je pense. Ça m'a envoyé chier. Alors attends, je réécoute. Non, ça me dit juste Anzer, leave, kings with his wife. Ah, faut peut-être le château, rends-moi le château peut-être. Le château ? Ouais, rends-moi le château, ça va être le château qu'il faut. Stop. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Parfait, elle se rapproche mais je réécoute la voix du gars. Alors, tout le monde était content et tout se passait bien. T'as quelque chose qui pourrait représenter le fait qu'il soit content ? Bah, à part t'envoyer les gens, je ne sais pas quoi te dire. Les gens et le roi et la reine, peut-être ? Ouais, renvoyez-moi tous, ouais, c'est vrai que Hall, ça matcherait. C'est bon, j'ai le roi, il est là. Le château est placé. La reine est placée. La marionnette est au premier rang. La foule est placée. All were happy and all was good. Alors cette fois, ça a l'air d'avoir marché, mais ils sont pas partis, je réécoute. Until the king killed all he could. Until the king killed all he could. Ah, il parle du roi qui tue quelque chose, mais j'ai pas compris quoi, attends. Until the king killed all he could. Until the king killed all he could. Ah ouais, là le roi est rentré dans le château. Mais sort l'ancien roi peut-être ? Non, ça c'est le château ça. C'est bon, le roi est parti. Et je peux mettre une lumière de sang ? Ah bah pourquoi pas, elle arrive en plein sur sa tronche là. Ça
Ça a l'air d'avoir marché, la marionnette est sur scène, je vois de moins en moins, donc je vais essayer de choper le phonographe. Oups. Alors ça me dit qu'il était debout plein de sang, donc renvoie-moi juste le roi ensanglanté. Ça me dit debout plein de sang, il a dit, mais pas quoi. Non, le roi ensanglanté. Bah oui, je pense que je t'envoie le roi et je remets la lumière de sang en fait, non? Bah vas-y, essaye, la lumière de sang est sur sa tronche, mais j'aurais pensé à celui plein de sang, mais... Il n'avait pas plein de sang l'autre, c'était juste... Bah l'autre il a une épée, mais il a les mains plein de sang et tout. Attends, va voir. Ouf, c'était ça. Ok. Alors ça a ouvert la trappe, mais on dirait que je peux pas descendre dedans. Il faut cliquer dessus, Effectivement, faut cliquer dessus. On est tous les deux là, avec un... Coucou, avec un petit walkie qui vole. Et je crois qu'il y en a qu'un de nous deux qui va pouvoir s'en aller. Et ben on va voir, je me souviens que la dernière fois ça dépendait de celui qui... Ça dépendait si on avait réussi bien ou pas. Eh oui. Bah là on sera en live, on aurait fait voter les gens pour savoir qui survit et qui reste dedans, mais comme là on ne peut pas. Alors il y a l'air d'avoir un interrupteur ici, parce que quand je me mets ici ça s'ouvre, et quand je m'en vais ça se ferme. Eh ben, il y a une dalle au sol. Je la vois pas, mon écran est trop sombre je pense. Bon bah écoute, je me sacrifie, tu sors. Est-ce que je laisse le signe noir se sacrifier pour le bien commun? Mais ce sera à charge de revanche. Et bah peut-être qu'il y aura une dalle de l'autre côté pour ouvrir, on ne sait pas. J'espère. Sinon... Adieu, mon ami. Non. Et rien si t'as pas un moyen d'ouvrir du coup. Baisser les sons du jeu, attends, c'est trop l'enfer là, le bruit de la neige. Ah oui, je la vois la dalle quand je suis dans de loin. Adieu à toi le signe, et merci pour tout. Je prendrai bien soin de ta chaîne, ne t'en fais pas. Au revoir, Damned. Je m'en souviendrai. Alors que je courais... Ah, tu l'as aussi, bah vas-y. Oui, vas-y. Vas-y, non, je préfère... Alors que je courais dans la neige, je me demandais, est-ce qu'il y avait un autre chemin? Est-ce que ce sacrifice était nécessaire? Est-ce que on était déjà venu ici avant? Ah, il me semble qu'il y a moyen de se sauver potentiellement tous les deux, mais je sais pas du tout comment on aurait pu faire. J'ai pas l'impression qu'on était particulièrement mauvais. Je suis pas sûr dans... Peut-être pas dans celui-là. Peut-être pas dans celui-là, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que vu la cinématique de fin, ça s'entend. Bon, bah voilà, du coup, était... c'est terminé. Bah voilà, c'est terminé, effectivement. C'était la petite version gratuite qui peut-être nous permettra, dans un temps futur prochain, de vous en présenter d'autres. Tout à fait. Au courant. Si vous avez bien aimé le concept aussi, bien sûr. Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez bien aimé, si vous voudriez qu'on se tente les séries suivantes, hein, tout simplement, pour voir si on arrive à s'en tirer aussi bien ou aussi mal. Qui est We Were Here Too, We Were Here Together, et le Forever qui doit sortir cette année. C'est ça, exactement. En tout cas, merci pour cette session, Damned. Désolé de ne pas avoir pu me sauver. Non, mais parfois, oui, c'est dommage, hein, mais... Non, c'était bien sympathique. Toujours sympa comme expérience, ce petit jeu. Petit escape game, hein, en somme. C'est ça, ouais, un petit escape game. Ouais, franchement, il est sympa. Ouais, bon, du coup, on se laisse là, je te laisse faire la outro. Il est gratuit, on le rappelle, celui-là. Oui, c'est vrai, il est gratuit. N'hésitez pas à l'essayer avec vos copains, votre famille, etc. Il est vraiment cool. Même avec des inconnus, quand vous créez une salle, vous pouvez mettre la langue parlée par le joueur. Donc au pire, vous retrouverez avec une autre personne en français, allemand, anglais, comme vous l'aurez configuré. Bref, et ben ça marche. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur cette petite mini-série sur la chaîne 119 minutes. Et pour ma part, du coup, pour ma vue, et sur la chaîne Les Jeux du Signe pour le signe noir. Et puis on vous dit à bientôt. Un petit mot de la fin pour toi?
Et bah merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite. À bientôt, merci.